Je vais commencer.
parle. Ouais, bah, et moi, parle-vous. En tous les cas, à moi ça, on va se mettre propre. Un vieux tablier de jardinage, pas trop crasseux. Ah, très bien. Ça protégera. Exactement. Et puis, ça m'évitera une engueulade de Marlène. Ça n'a pas l'air d'être grand panneau, on ne se trompe. Bah, disons que ça va aussi bien que toi et Henri. C'est-à-dire mal. Bah, tout tout mal, en tout. J'aurais pourtant voulu réussir mon mariage aussi bien que papa et maman. Ça a été génial. Il ne reste plus que toi, ma petite Luciole, pour rattraper nos deux échecs sentimentaux. Promis, j'essaierai. Tiens, l'ancienne boîte aux lettres. On devrait profiter de ces fouilles pour débarrasser le grenier, non? Oh, figurez-vous que cette boîte aux lettres me rappelle une fessée mémorable. Ah bon, raconte. Oh ben, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et j'avais trouvé, je ne sais plus où, un paquet d'angles enrubanés d'une faveur verte que j'avais distribué dans tout le quartier bien consciencieusement. Une lettre dans chaque boîte aux lettres. Ma distribution terminée et le retour à la maison, j'explique à maman ce que je venais de faire et que plus tard, je serai facteur. Elle est pensée d'abord par toutes les couleurs avant de se précipiter chez tous les voisins pour récupérer avec leur consentement toutes les lettres distribuées par son facteur d'office. Le retour à la maison, elle m'a administré une de ses fessées dont mon postérieur n'est pas prêt à l'oublier et qui m'a pensé dans une lettre de faire carrière dans les PTT. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Oh, maman était chouette. Elle a gardé ça pour elle. Si papa l'avait appris, il aurait sûrement doublé la fessée. Et mon postérieur n'y tenait pas vraiment. Bon alors, cette boîte aux lettres, à la décharge ou tu la gardes en souvenir de cette mémorable fessée? À la décharge. Si Marlène me voit arriver avec ça, elle va crier au fond. Et voilà le thé. Le thé a-t-il? Ni a-t-il, ni a-t-il. À la mère Bagotte. À la mère Bagotte. Ben oui! Vous n'avez jamais goûté à la mère Bagotte? Ah! À la mère Gamotte! Oh! Ben c'est parce que je dis, j'aime pas ça, moi, que la mère Bagotte. Eh, dites-donc, les enfants, il avait quand même bien fait, votre papa, de prendre un plan. De prendre un thé à la mère Bagotte. Ben dites-donc, vos bonnes. Un quoi, vous avez dit? Un thé à la mère Bagotte, il avait quand même bien fait de prendre un plan. Yeah.
appelé Jean Guirlandais, croyez-moi. Vos officiers voulaient tout nouveau, là. Vous les testerez sur qui vous voulez, mais pas sur Monsieur Lucas. C'est pas un cow-boy, je lui dis, moi. Là, croyez-moi si vous voulez, hein. Il s'est retrouvé tout petit, tout du tout. Il s'est mordu les lèvres, m'a tourné le dos, et la manière dont il soulevait les épaules, comme ça. Je serais pas loin d'affirmer qu'il était pas loin de chialer. Non, mais, prendre les gens pour des cow-boys, et puis quoi encore, hein? Ah, vraiment, allez, vous êtes impayable. Ah, ça, tu peux dire, impayable. Alors, je vois vraiment pas ce qu'il y a de marrant là-dedans. Et puis, justement, par de tout ça, je n'ai pas été payée le mois dernier. Ne vous inquiétez pas, Nick, nous allons régulariser la situation. Mais j'y compte bien, hein. Mais par contre, vous avez toujours répondu à ma question. Quelle question? Bah, qu'est-ce que vous comptez faire de moi maintenant? Bah, je pointe à l'NPE? Je pars à la retraite? Ou bien je prends un projet sympathique? Nous allons visiter Anaïs, ne vous inquiétez pas. Vous avez bien donné une visite à m'attacher. Vous nous avez servi de nounou. Oh, tu fais partie de la famille, Anaïs, tu le sais bien. Bon sang, quelle famille quand même. Bon allez, assez d'attendrissement. Je vous débarrasse les dégâts. Et je vais vous préparer quelque chose à manger. Je n'ai pas faim. Oh. Mais si. Je vais vous préparer de la cuisine extatique. La cuisine extatique? Ben oui. Vous n'avez jamais entendu parler de cuisine extatique? Ben non. Moi non plus. À votre âge? C'est quand même heureux tout de même. Heureusement que je suis là quand même pour vous éduquer un peu, hein. Quelle famille! Annick, oui. Vous allez nous préparer quoi au juste? Ben, de la soupe chinoise et des rouleaux de printemps. Ah, de la cuisine exotique! Ben, vous voyez bien, vous connaissez! Moi, j'aime bien ça, moi, la cuisine extatique. Hein. Parce que ça change un peu et c'est léger. Oh, cette femme est une véritable bénédiction. N'aurais jamais pensé pouvoir rire un jour comme aujourd'hui. C'est à se demander si elle n'en rajoute pas exprès. Juste pour alléger notre peine. Mais non, c'est dans sa nature. Elle doit être dyslexique quelque part. Bon, on poursuit la recherche. Allons-y. Poursuivons. Alors, vous en êtes où? Nulle part, on vient juste de commencer. Voilà du renfort pour transporter les lingots. Vous en avez trouvé beaucoup? Une belle valise. Tu te fiches de moi? À ton avis, va dans la valise là derrière. Regarde toi-même. C'est ça, vos lingots? Tout ce qui brille n'est pas or. Plus d'un minuit. 40 euros. Pour vous désobéir. Ne vous en déplaise, cher beau-père. La
luciole et le grillon n'ont pas fini de se triduler dans les coins sombres. Bien fait pour vous. Enfin, on rit. Y a que ce grillon qui est là, qu'est-ce que j'en fais? Il monte, Anaïs. Allez, montez, mon petit. Luc, merci d'être là aujourd'hui. C'est bien normal, voyons. Comment te sens-tu? Tu tiens le coup? Je partage ta peine, tu sais. Je n'aurais peut-être pas dû vous déranger aujourd'hui, mais je tenais à vous présenter à tous mes condoléances. Sincères condoléances. Merci, Luc. Tu as bien fait de venir. Toi, tu vas faire retrouver le sourire à notre petite Luciole. Mes sincères condoléances, Elisa. Merci, Luc. Et merci d'avoir assisté aux obsèques. Mes sincères condoléances. Et merci, jeune homme, ça ira. Ça ira. Mais ça sert qu'on a lui, oui, ça ira, ça ira, on s'en mettra. Allez. Je peux te voir un moment ailleurs que dans ce grenier? Bien sûr, nous allons descendre. Je vous laisse un moment à la poussière. Bonne recherche. Tu parles. On risque pas de trouver quoi que ce soit, ils nous mènent en bateau comme d'habitude. Et qu'est-ce que vous cherchez? Viens, je vais t'expliquer. Tiens. La boîte de blé photo de... Wow. Oh, regarde, la tortue danse dans toute sa splendeur. La pluie. Oh, Marlène. Oh, regarde là. C'est son second mari, l'oncle Albert. Oh, Ça suffit comme ça, c'est pas possible. Je n'y commets pas notre faute, c'est plusieurs membres de votre illustre famille se sont particulièrement distingués par leurs mœurs plus que légères. Marlène, le sujet est clos. On te dispense de tes réflexions. On regardera ces photos plus tard. J'aimerais en regarder quelques-unes. Entendu. On se les partagera les lucioles. Oui. Mais bien, cher frère, mais bien, chère sœur, je vous le demande, mais à qui a bien pu appartenir ce vêtement religieux? Y aurait-il eu un certain homme de Dieu dans cette famille de mécréants? De mécréants? Non, enfin, mécréants, toi-même, dis donc! Ah, ça doit être la soutane du grand-oncle Jules. Vous avez eu un grand-oncle curé, tu m'en as jamais parlé? Oh, je l'ai moi-même si peu connu que je l'avais mieux oublié. Eh bien, voilà qui rééquilibre la balance familiale, une pute, un cocu, l'équilibre parfait. Amen. Maître Cornélie est là. Qu'est-ce que j'en fais? Maître Cornélie, il vient sans qu'on lui ait demandé. Bah, c'était un grand ami de papa, il vient sans doute nous présenter ses condoléances, lui aussi. Nous descendons, Amélie. Il préfère monter si ça dérange pas. Ah bah, s'il ne craint pas la poussière, qu'il monte. Oh. Oh. Oh bah, mes enfants, qui verraient cet escalier. C'est vraiment très gentil de se déplacer, là, merci. C'est bien naturel, voyons. Notre père et moi étions de grands amis. Ah, tu es là, toi, mon vieux Lucas. Tu vas me manquer, tu sais. Tu vas nous manquer à tous. On est peu de choses, enfin. Bon, si je suis venu ici troubler votre intimité, c'est pour obéir à l'ordre de votre père. Vous voulez vous asseoir, peut-être, maître, hein? Volontiers, mon garçon, volontiers. Alors, vous disiez que papa vous avait demandé de venir aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas le terme exact. Non, votre père m'avait fait promettre de venir vous voir le jour de ses obsèques pour être sûr de vous trouver tous ensemble. Et vous faire part de ses dernières volontés. Ce que j'ai accepté de faire, bien que ce ne soit pas dans les usages, en qualité d'ami personnel de votre papa. Vous allez nous lire son testament? Exactement. Bonjour, maître. Notre présence n'est sans doute pas souhaitable, n'étant que les beaux enfants, n'est-ce pas? Si, si, restez, c'est préférable. Pour une fois que nous ne sommes pas de trop. Votre jeune sœur n'est pas là? En bas avec notre voisin, le grillon. Luc est ici? Parfait, parfait, qui monte tous les deux? Mais il est bien nécessaire que Luc assiste à la lecture. Tous les deux! Je ne vois pas en quoi sa présence. Tous les deux, s'il vous plaît, tous les deux! Et Anaïque aussi, puisqu'elle est là! Tiens, le facteur qui vit avec la boulangère dans la rue, on les invite aussi à nous, mais on est fous! On s'en passera, madame, on s'en passera. La lecture d'un testament est une chose sérieuse, mais pour les gens dans les consciences. Luc, Luciole, Anaïque! Anaïque! Oui! Ah, sacré Anaïque, toujours le mot juste. Oh. On vous...
dernièrement, il se plaignait de devenir de plus en plus frileux. Elle lui a conseillé de... Quoi donc ? De porter des caleçons moutonnés. On a rigolé pendant des semaines avec les caleçons moutonnés. On s'est sorti à chaque rencontre. Alors tu te sens bien, t'as mis les caleçons moutonnés ? Alors franchement, hein, t'en as mis les caleçons moutonnés. Tout à l'heure, elle nous a servi un thé à la bagotte. Pour soigner les coliques, mais très petit beau-père. Et quand il a fait les oreillons, le médecin lui a prescrit les nouveaux anti-diaboliques. Pour lui dégonfler les tentacules. Ah oui, c'est vrai, ça fait mon vieux cas, c'est un vieux cow-boy. Et là, elle est en train de nous préparer des rouleaux de printemps et un potage chinois. Dans la cuisine, extatique. Elle est impayable. Ah bon, vous trouvez impayable, vous? Oh, si n'importe question de moi, je crois pouvoir affirmer le contraire. Je suis payable, la bonne entendeur. Je sais, Alex, je sais. Ah, dis donc, maître, on a du temps là. J'aurais besoin de quelques tuyaux. Où peut-on se renseigner sur ses ancêtres? Parce que moi, j'ai dans l'idée de faire l'arbre de gynécologie. Je veux vraiment pas ce qu'il y a de tordant à vouloir faire son arbre gynécologique. Hein. Entendu, Anaïs, entendu. Nous réglerons ça en temps voulu. D'accord. Ah, vous voilà, mes petits. Bonjour, maître. Bonjour, maître Cornet. Bien bonjour à vous, les enfants. Bon, nous précisons tous au complet. Je vais pouvoir procéder. Pouvez-vous une place quelque part? Je vais vous lire les dernières volontés de mon ami Lucas. Lui-même. Ah, je ferais mieux de vous laisser dans ce cas-là. Ah si, jeune homme, s'il vous plaît. Je lègue
1 500 € au moine de l'abbaye de Saint-Cudoal, à charge pour eux de prier pour le repos de mon âme et celle de mon épouse Madeleine, chaque jour, pendant 5 ans. Ah ben ça, on peut pas dire que ce soit trop. À mon avis, ce sera même trop juste. Il faudra seulement plus de 50 ans de prière pour que les portes s'ouvrent là-haut. Bon, c'est fini, oui. Je vous en prie, poursuivez. Enfin, je lègue à part égale le reste de mes biens mobiliers et immobiliers à mes enfants, Yves, Elisa, Lucie... Donc chacun le tiers de ses biens. Non, enfin, laissez-moi finir, monsieur Henri, s'il vous plaît. Je disais donc, à mes enfants, Yves, Elisa, Lucille Balatré et Luc Grillon ont chacun le quart de ses biens. Mais c'était une plaisanterie, mais c'est pas possible. Luc n'est pas mon frère. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est impensable, il doit y avoir une erreur. Il avait certainement déjà perdu la tête lorsqu'il a rédigé son testament. Ce qui explique ses legs à Anaïs, elle fait cracher un truc, etc. Oh, c'est pas possible, bien possible. Je me plains de nouveau pauvre comme ça, maintenant. Oh non, c'est pas vrai. Enfin, maître, expliquez-vous. Du calme. Je sais que ça doit vous surprendre, mais il n'y a pas d'erreur. Votre père était saint d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament en ma présence. Comme quand il a reconnu Luc Grillon dès la naissance par une lettre que je détiens à l'étude et que vous pouvez tous consulter. Voilà. Alors tu es vraiment ma sœur. Oh, Lucie! Lucie! Oh, attendez-moi, jeune homme, je vous suis, moi. Oh, j'ai besoin d'un super bon longtemps avec tout ce qui vient de me tomber sur la tête aujourd'hui. Mais bon sang, mais quelle famille, oh! Oh, ma sœur! Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a trompé maman, voilà ce qu'il a fait! Non, non, pleure, petite sœur, pleure, hein. Ça fait du bien, pleure! Mais quel besoin avait-il de reconnaître son bâtard? On se demande, ça change quoi? Ah, Caroline, tiens, voilà ce que ça change! Mon ami a loyalement et paternellement assumé ses responsabilités. Je sais que ça peut vous paraître inutile, mais il m'a prévenu. Tu verras la tête que certains feront à la lecture de ce testament, te fera largement de ce déplacement. Chance de constater que tu n'es pas tort. Quant à Luc Grillon, votre père a toujours assumé financièrement pour son éducation. Et s'il n'avait pas craint de vous faire la peine à vous et à votre mère, il l'aurait reconnu au grand jour. Ah, mais encore heureux qu'il n'ait pas infligé cette peine et cette humiliation à maman. Je suis si malheureuse. Il ne suffisait pas de faire papa. Voilà que je perdais aussi. Voilà pourquoi tu m'interdisais de le voir. Tu savais que nous risquions de tomber amoureux. Tu m'aurais fait avec cœur. Et puis il écoute jamais leur père. C'est de ma faute, si je t'avais oublié. Ah non, ma petite Luciole, ce n'est pas toi la coupable. En l'occurrence, il ne te reste plus qu'à rendre fraternel l'amour que tu portes à Lucky. À trouver consolation dans les bras d'un autre, si tu peux. Fraternel, hein? Dans la longue liste des turpitudes familiales, l'inceste serait trop. La goutte qui ferait déborder la bassine. À ce niveau-là, il y a beau temps que le vase ne suffit plus. Bien. Je reste à votre disposition pour la succession. Mon rôle près de vous étant terminé, je vais vous laisser réfléchir à tout ça tranquillement. Je me retire donc. Adieu, mon vieux Lucas. À ta mémoire, j'ai vu des caleçons me donner. Et tu sais ce que je fais. Irrésistible. Et papa n'a pas résisté.
bien, en tout cas, moi, ça fait bien plaisir d'avoir un frérot. Même si ça doit amputer sur mon héritage. Je suis bien content malgré tout. Grand bien te fasse. Moi, je me serais bien passé de se rendre de vos frères. Tu as qu'à lui suggérer d'entrer à Saint-Tudual. Ah bah, c'est pas si bête après tout. Et il pourrait prier pour 5 ans non stop. Regardez, mesdames et messieurs, ce magnifique seau hygiénique. Imaginez-le une fois peint et décoré. Ne ferait-il pas un porte-parapluie présentable? Avec nos manches chéri dans l'entrée. Non, mais hors de question. Pas de faux. On va aller voir ce qui se cache encore là-dedans. Tiens, 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 qu'est-ce que tu nous caches, toi? De l'or, des diamants? Oh, Booba! Oh, Booba! Booba? Mais arrête de tripoter Booba, comme ça, tu vas l'abîmer! La bine, elle est déjà complètement défléchie, pauvre vieux! Ah, enfin, je te retrouve! Tu as bien pu te mettre là! Oh, si tu savais ce que j'ai pu te chercher, combien tu m'as manqué! Alors là, je rêve, j'hallucine, quoi! Désormais, tu ne me quitteras plus, tu retrouveras ta place sur mon oreiller! Est-ce que tu comptes introduire cette cochonnerie dans le lit conjugal? Alors, je te préviens, il va falloir choisir, ce sera lui ou moi. Mais c'est tout choisi. Booba dort avec moi, si tu peux pas le supporter, il te reste la chambre d'amis ou le canapé du salon. What? 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 Tu vois, je t'avais prévenu, t'aurais pas dû venir au grenier avec nous. Tu risques la crise d'asthme. Ouais, descends plutôt aider Anna en cuisine. Plutôt crever, ouais. Et vous, l'amour? Oh, Marlène, je t'en prie, hein. Mais où tu vas comme ça? J'en ai marre de voir fouiller dans tout ce fourbi. Si au moins on avait une idée de ce qu'on cherche. Je vous abandonne. Je peux voir ce que tu emportes dans cette valise? Les babioles que je vais remettre en état et vendre au premier vide-grenier qui se présentera. Mais tu peux pas emporter ça comme ça sans l'accord de mes deux sœurs et celui de Luc. En effet, il serait préférable si nous voulons éviter de futurs sujets de discorde. La confiance règne à ce que je vois. Eh bien, à votre aise, faites l'inventaire. Un album photo. Oh, Yves Bébé! Quelle bouille! Et quoi? Vous vous rappelez l'anecdote que maman racontait souvent à propos d'Yves Bébé? Mais oui, lorsque se promenant le long de la rivière, elle avait rencontré la Miphare, qui jetant un œil à l'intérieur du landau, s'était écrié en... Oh, quelle horreur d'enfant! Et maman vexée de répliquer aussitôt: moi, rien que vous, je vais devenir chouette! Moi, j'ai trouvé une bouille plutôt rigolote. Même maintenant, d'ailleurs. Un joli bavoir, rodé, Yves. Attendez. Ah oui. Une paire de chaussures de foot, taille 42. Attendez. Un tableau représentant un cheval signé Yves. Attendez. Ah oui. Un autre tableau censé représenter... une nature morte et signée... Cézanne? Cézanne, t'es sûr? Cézanne, Yves! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 45 tours, Sylvie Vartan, Dick Rivers qui twist à Saint-Tropez, Richard Anthony qui entend siffler le train, Sheila qui attend l'heure de la sortie, Françoise Hardy qui s'en va seule à Montpellier sans que personne ne l'aime, et Johnny qui veut qu'on lui retienne l'année. Ah, ils sont tous à moi! C'est marqué dessus! Yves! Mac Johnny? Ah que oui! Ah que c'est accordé par tous sur l'unanimité! Oh mais mon enfant Marlène! T'allais pas vendre tout ça dans un vide-grenier quand même! Bien sûr que non, horreur d'adulte! J'ai pensé que ça te ferait plaisir de garder tout ça! Oh oui! Oh merci! Oh tu m'as fait peur, merci ma chérie! Ah! Ah quoique, pour les tableaux, tu as la carte blanche! Tu peux en faire ce que tu veux! Si tu veux les vendre... la carte blanche. Même en les donnant, personne n'en voudra. Ah, je m'en doutais que la machine n'était pas loin. Et qu'est-ce que tu vas en faire alors? Dans les toilettes qui seront parfaites, tu pourras les tromper à loisir, ça fera très vite comme des cônes. Bon, la douane volante a terminé. Je peux rejoindre un mec. Vous pouvez disposer. Ah, attends, un petit contrôle quand même. Le chapeau. Quoi, le chapeau? On enlève le chapeau. Mais ça va pas, mais c'est quoi ça? Ça ne te regarde pas. Oh, mais c'est mon carnet de poèmes. Des poèmes? Bah oui, comme tout le monde à 16 ans. Non, mais moi
j'ai jamais écrit de poème à 16 ans, pas plus qu'à 18 ou à 25 d'ailleurs. Moi non plus, hein, ni moi. Mais nous ignorions que nous avions dans la famille un Cézanne Baudelaire. Oh. Voyons voir un peu ça. Eh, pas touche à ça, peu que tu demandes. Oh, voyons. Envoie ça tout de suite, lui-même. Rien de déduit. Mon cœur est plein de toi, mais toi tu vis ta vie sans te soucier de moi. Ah, oh, c'est beau, ça me prend là. Rends-moi ça, Mylène, ne m'étonne pas. Rends-moi ça, Mylène. Suite, tu vas le regretter. C'est qui cette Mylène? Je m'en souviens. Sans doute une fille mi-coton. Mylène. Mi-coton. Lavage délicat, 27 degrés, pas plus, sinon ça fait. Ah, Mylène, mi-coton. Oh, ça y est. Oh. Bon, alors, bon, je peux rejoindre Anaïs, je vais l'aider dans ses préparations extatiques. C'est ça. Et Lily, si elle veut venir nous rejoindre pour récupérer sa pleine guérison, elle va venir quand elle veut. Entendu. Tu as raison, il y a peut-être des trucs qui feront son bonheur. Oui, oui, pour agencer la maison de la sapinière. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous comptez en faire de cette maison? On la garde, naturellement. On la garde. En indivision, à quatre. Mais oui, ça va être difficile. Il faudra continuer à chauffer l'hiver pour qu'il ne s'habille pas. Et à part lui, personne n'est sur place. Il faudra payer la taxe foncière, la taxe d'habitation, payer quelqu'un pour entretenir l'extérieur et l'intérieur au minimum. Et il continue à payer les abonnements de l'eau, l'électricité, le téléphone et les travaux qu'il faudra faire sur la toiture ou ailleurs. Tout ça finira par nous coûter les yeux de la tête. Non, franchement, petite sœur, je comprends que tu sois attachée à cette maison, c'est très normal. Mais vraiment, je pense qu'il serait plus sage de la vendre. Tout voilà. Tout me sera pris. Papa, Luc, cette maison. Ma petite sœur, on attend. On en parlera dans 2-3 mois. Et tu verras, on ne peut pas faire autrement. À moins que l'un d'entre vous ne rachète la part des autres et en devienne l'unique propriétaire. Ah, mais même si j'en avais les moyens, Marlène m'en empêcherait. Cette maison ne représente rien pour elle. Et toi, Lisa? C'est malheureusement pas envisageable. Cette maison a un certain coût. Et devoir acheter 3 parts nous serait impossible pour le moment. Ah, pour une fois, je suis pleinement d'accord avec toi, chérie. C'est fichu, alors. Ce n'est pas moi qui suis encore moins aisée que vous qui vais pouvoir le faire. Oh, mon pauvre petit père, quelle triste journée. J'espère que le ciel me réserve de meilleurs. Paraîtrait que je suis autorisée à récupérer ce que je veux dans ce fourbi, c'est vrai? C'est vrai, Anaïs, c'est vrai. Ah ben alors, c'est pas de refus, moi. Hein. Oh, qu'est-ce que tu dis, mon bébé? Ça n'a pas l'air d'aller fort, hein. Trop d'émotions d'un coup, trop d'émotions. Je suis si malheureuse. Je sais, mon bébé, je sais. Tout est noir aujourd'hui, mais tu verras malgré tout. Il y a plein de bonheur qui t'attend au virage. Tu en es sûre? Comment, j'en suis sûre, et comment? Tu sais, moi aussi, je suis passée par là, quand j'ai perdu l'homme de ma vie dans un accident. Il avait 30 ans, je n'avais 25. Nous devions nous marier 2 mois après. J'étais déjà enceinte de Loïc, mon fils. Je m'en suis aperçue 1 mois après l'accident. Je me suis donc retrouvée fille-mère. De nos jours, ça ne choque plus personne, hein, cette fille-mère. Mais il y a 50 ans, en pleine Bretagne profonde, eh bien, je vous laisse imaginer les réjouissances. Ainsi, vous avez conçu votre fils dans le péché, hein? Oh la coquine! Dans le péché? Dans le péché? On n'était pas des gros bâtards, on était pas des gros bâtards. C'est tout frisé dans ces épaisses, Loïc. C'est tout à part. Pardon, Henri vous parle de péché. Mais il y a des péchés de toi, capitaine. Ce que je vous dis, c'est tout frisé. N'insiste pas. Ah bah, tant mieux pas. Ma petite Lucie, tu sais, j'ai eu ma part de malheur, mais j'ai aussi mon compte de bonheur. Et toi aussi, tu auras ton compte de bonheur. Puis tu sais maintenant, il y a les spiquettes pour aider les gens. Nous, il y a 50 ans, on savait même pas que ça existait, les psychiatres. Psychiatres? Tu crois que j'en ai besoin? Ah non, je n'en suis pas sûre. C'est bien plus fort que tu le penses. Mais, si tu en as besoin, le psychiatre, il est là. Tu vois, faut pas hésiter à consulter le psychiatre. Bah, c'est pas ce que je dis, hein. Bon, allez, moi je vais commencer à meubler la sapinière. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé là-dedans? Henri prétend que repas est décoré. Ça fera un porte-parapluie présentable. Qu'en pensez-vous? Eh ben, un baratage pour alors.
mais pour une grosse plante, hein. Un cache-poupou, alors. Bon. Est-ce que je peux faire un tas dans ce coin-là? Mais oui, faites, Alaric. Et quand vous aurez fini votre choix, on vous descendra le tout. Hein. Faites. Dites donc, Alaric, vous allez avoir du temps libre maintenant? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Ben, je sais pas trop. J'aimerais bien voyager. Excellente idée. Ouais, parce que, figurez-vous, moi, j'ai une toute cousine à bout de la maison. Et ben, elle fait plein de voyages. Et à chaque fois, elle m'envoie des cartes postales. Bon, je pense que c'est plus pour m'en mettre plein la vue que par pure amitié, hein. Voyez. Bon, mais je connais la bête, hein. Mais je m'en fiche, moi. Parce que je suis pas rancuneuse, hein. Mais j'aimerais quand même bien pouvoir lui envoyer aussi des cartes postales. Ça ferait bien plaisir, ça. Mais rien que pour lui montrer que moi aussi, je voyage en Karcher. Vous voyagez en Karcher, vous? Ça, je vois. Mais vous serez complètement lessivé. Mais c'est pas grave, vous aurez des vitamines. Vous voulez dire en charter? Oui, en charter. Ben, c'est parce que je dis en Karcher. Oh. Ça coûte pas des sommes astrologiques et ça vous transporte aussi bien. Et c'est d'une propreté. Ouais, mais ça, peut-être bien, mais la propreté, on s'en fiche. Parce que l'essentiel, c'est quand même d'être testiculé en heure et en temps, sans attendre des heures d'aller garer au corps. Non, Anaïs. Non, que vous soyez testiculé plutôt que véhiculé. Ouais. Et en Karcher ne se croit pas encore. Mais c'est dans les aéroports qu'on prend les avions, pas dans les aéroports. Ben c'est parce que je dis, hein. Monsieur Yves, je prends ni le train ni le bateau, puisque je prends l'avion. Ben alors, qu'est-ce que j'irai faire dans les aéroports, je vous demande? Ah, dans les gares et au port. Moi j'avais compris dans les gares et au port. Moi aussi, mais... Ben c'est parce que je dis dans les gares et au port. Oui, bon, bah, laissons tomber, on va pas se sortir. Non. Et alors, vous iriez-vous comme ça, Anaïs? Quelle destination vous tenterait? Oh, ben, j'hésite. Je pense l'acrobatie. L'acrobatie, c'est très tendance en ce moment, hein. Et puis, ma cousine, elle a pas encore fait. Alors, faut que je me dépêche de faire avant elle. Rien que pour l'enquiner. Mais bon, j'aimerais bien aussi aller voir les contacts. Et cette fois-ci, un petit crac-crac dans le péché, peut-être, chez les crobates. Non mais bon sang de bois, mais c'est qu'il est tard au péché, hein. Oh, oui, du grenier, le père Rémi, le repas est prêt, je suis déjà en extase. On arrive. Quand Jules Topard sera guéri, je lui demanderai de me faire des trous pas
riche comme... Fréjus. Même si j'en ai pris quelques-uns, tiens. Ce sont deux de vos cousins qui veulent vous voir. Des cousins? C'est bizarre, il me semblait qu'on avait vu tout le monde aux obsèques. Ah, moi aussi, je ne vois pas qui pourrait en parler. Encore des cousins? Mais bon, on s'en met que de famille. Je l'ai fait monter. Bien sûr, voyons. Nous avons entendu le décès de votre père par les journaux et nous nous sommes permis de venir vous déranger. Nous ne nous sommes guère vus jusqu'ici. Une fois ou deux dans notre enfance, si mes souvenirs sont bons. C'est gentil à vous de vous être dérangé. Je vous en prie, asseyez-vous. Enchanté de vous avoir rencontré. Chère madame. Ah, oh, ce que c'est quand même que la galanterie française. Pour le thé à Mère Gavotte, ce sera une prochaine fois. Mère Bagotte, pas Mère Gavotte. Oh, pardon. Vous m'avez parlé français, non? Oh, pardon, Mère Bagotte. Heureusement qu'il y a encore de vaillants défenseurs de la langue française tels que vous. Naïque, n'en fais pas trop quand même. Faut ce qu'il faut. On est
Eh bien, les enfants, nous avons un bel aperçu du croisement entre une pute et un cocu. Deux manches à balais de binard. Je les trouve quand même très classe. Ah, évidemment, avec moi, à partir du moment qu'on prend des airs supérieurs, on a de la classe. Mère nous a délégué. Elle était souffrante. Reconnaissons-leur quand même le mérite d'être venus de loin pour nous remettre ces deux papiers. Oh, des vieilles photos, sans doute. Oh, regardez ce que j'ai trouvé, moi. Un cadeau plein de vieux magazines Rustica. Et plein de conseils pour jardiner à sa pinière. Oh, monsieur Henri, regardez, regardez, Madame, c'est impossible, c'est mort. Oh, je vous demande pardon, monsieur Henri. Oh, j'avais plus pensé à votre fantasme. Oh, je suis pleine de contusions, vraiment. Oh, je suis contuse. Ah, je vais lui en faire des contusions, vous allez voir. C'est pas mes doigts, je peux pas l'inciter. Ah non, pâtez, pâtez. Une bière, plutôt, s'il vous plaît. Ah, alors calembour, s'il vous plaît. Calembour, s'il vous plaît. Pâtez, plutôt, s'il vous plaît. Ah bah, à la mer. Nature. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ah, mais oui, c'est avec ça
C'est nous, voyons, tu ne nous reconnais pas, là. C'est sûr? Eh oui, là, c'est moi. Ah, je n'avais plus ma tête d'horreur d'enfant, là, évidemment. Tu t'étais refait. Dites, ça vous ennuierait de m'aider à lire tout ce courrier? C'est adressé à maman, mais je vois pas pourquoi vous ne liriez pas non plus. Oui, t'as raison. Donne-moi-en quelques-unes. Oui, bah moi aussi, donne. Allez, voyons voir. Séance de lecture pour tous. 11 janvier 1992. Chère Madame Ballantré, me pardonnerez-vous la liberté que je prends de vous adresser cette lettre? Je ne puis résister au plaisir de prolonger, ne serait-ce qu'épistolairement, l'entretien si agréable que nous avons eu hier après-midi. Merveilleux après-midi où j'ai eu l'honneur de vous être présenté et l'avantage de pouvoir déposer à vos pieds mes très respectueux hommages. Le bonheur de vous revoir me sera-t-il bientôt donné? Votre très respectueux serviteur, Lucien Raoul Michelot. Tiens donc, on dirait que maman avait fait une touche. Lucien Raoul, tu parles d'un prénom? Tiens encore lui. 13 janvier 1992. Chère Madeleine, cette fois plus de Madame Ballantré, me laisserez-vous me consumer longtemps encore sans un mot de vous? Ne devinez-vous pas avec quelle impatience je l'attends ce mot? Cessez d'être cruel, par pitié. Non mais il rêve le coco. Lucien, etc., etc. Ah, 3 février 1982. Madeleine, chérie, bah il manque pas d'air, celui-là. J'ose écrire chérie, puisque jour et nuit, mon cœur vous chérit. Il n'est plein que de vous, non mais enfin ce culot! Il n'est plein que de vous et n'attend qu'à l'encouragement du vôtre pour goûter au mélange, au bonheur sans mélange auquel il aspire. Mais c'est qu'il insiste lourdement, le Lucien Raoul! En tout cas, il en est encore à attendre l'encouragement de la part de maman. Il est tenace, on dirait. Avançons dans le temps. Tiens, celle-ci. Voyons voir. 14 avril 1992, 2 mois et demi plus tard. Madeleine, mon amour! Oh, ça c'est trop fort! Je commence à comprendre pourquoi j'ai réussi une raclée en distribuant ce courrier. Mais pourquoi papa n'a pas été mis au courant? Soi-disant pour préserver ton postérieur? Madeleine, mon amour! Tu me quittes à peine et déjà tu me manques à en mourir. Ton rire me manque, ton corps me manque! Mais maman, ça suffit comme ça, inutile de continuer à voir autre, on a compris! Ça fait 23 ans que je suis au courant. Comment?
Vous saviez? Ben oui. Pourquoi n'en avoir jamais parlé? Donc maman était encore en vie. Je comprends que tu gardais le secret. Mais depuis, tu aurais pu nous en parler à nous, ces enfants. Non, vous avez eu raison, Anaïque. C'était le secret de maman. Et c'est maintenant que papa n'est plus là qu'il est bon que nous sachions enfin. Même si ça doit nous remettre un peu. Je la déteste. Mais... Je la déteste. Dis-donc, mon bébé. Oh. On ne juge pas sans savoir, hein. Elle aurait pu résister. Mais elle a résisté, croyez-moi. Enfin, 2 mois et demi, hein. Oh, dis-donc, mon garçon. Il fallait déjà être une sotte pour résister 2 mois et demi à Lucien Raoul Michelot. Va aller voir le beau salon varsitaire. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ton bossa nova? C'est quoi ça, un bossa nova? Il dansait bien? Bossa nova? Bossa nova? Bah, c'est du terre! Bah, ton chien, quoi! Bossa nova! Bah, c'est pas ce que je dis, bossa nova! Oh, moi, il était si bien que ça! En tout cas, si c'est moi qui l'avais dragué, là, le Lucien Raoul, eh ben je peux pas vous dire qu'il n'aurait pas entamé 2 mois et demi pour sûr. C'est pas une excuse. On ne cède pas au premier beau sanova venu quand on a des enfants et un mari aimant. Oh, mari aimant, mari aimant, ça c'est dit. Parce que le mari aimant, à cette époque-là, il aimait surtout la Jocelyne Grillon. Ah, parce que c'est à cette époque-là aussi que... Ah. Hey. Je suis quand même pas à peine parler d'armeur, hein. Je sais comment il fonctionne, hein. C'est pas ce que je dis, hein. Parce que si votre père a cru que votre mère n'y avait vu que du bleu dans son histoire avec la Jocelyne, eh ben, les mecs, il peut se faire perdre. Alors, elle a gagné tout ça. Parce que maman savait que papa l'a trouvé. Elle n'a rien dit. Je vois ça, j'ai pas d'explication. Ça l'a beaucoup aidé, hein. J'aurais tellement souffert dans cette maison. J'étais comme qui dirait sa spicologue. Et c'est à ce moment-là... Pif paf, Lucien Raoul, ce point. C'est ça. Pif paf, vous avez raison, mais c'est ça. Et papa ne s'est jamais douté qu'elle savait. Bah ma foi, non. Bah, faut dire que votre père, tout occupé qu'il a été de l'arrivée du père, à ce moment-là, il transpirait de bonheur et de fierté par tous les pores de sa peau. Plus d'une fois, moi, j'ai eu envie de lui dire de garder sa tête là pour ses moments d'intimité avec sa Jocelyne. Mais je ne pouvais pas. Sinon, il n'aurait compris. Et si moi, je savais, c'est que votre mère aussi devait savoir. Bon sang de bois. Ben, ça n'a pas été des mois faciles à passer, moi, je vous le dis. Alors, pour lui, vous saviez aussi? Ben, en fait, oui, ben, nous savions, en fait. Ben, nous supposions. Ben, ce joli cœur-là, à moins d'être cocu avec la Jocelyne, devait être le père de Luc. Et vous n'auriez pas un peu encouragé maman à répondre ce pauvre salova qui nous plaisait tant? Même un tout petit peu? Ben, ça faut dire vraiment que je m'en rappelle plus. Lire ta mère serait-il en train de frapper la porte? Oui, ça va, ouais. Et papa ne s'est pas rendu compte que maman lui rendait la monnaie de sa pièce. Ben, pensez-vous, tout occupé qu'il était du bébé et de la Jocelyne, il ne voyait pas grand-chose de ce qui se passait ici. Toujours sur un petit nuage qu'il était. Et puis, il faut dire autre chose, c'est que votre mère et moi, on prenait nos précautions pour qu'il ne soupçonne rien. Elle aurait pourtant bien fait de le faire souffrir un peu, même si elle l'aimait. Mais elle l'aimait. Mais finalement, elle l'a fait quand même, non? Bon, vous trouvez? Et comment? Ben, ça lui a permis de reconquérir Monsieur Lucas. Oh. Ben, mais c'est comme ça que s'est passé l'événement que vous avez découvert dans la lettre. Ben, alors, regardez. Madame chérie, je ne suis pas encore revenue de la nouvelle que tu m'as apprise chez... il y a 2 jours. Cela pourrait être si merveilleux si tu me laissais t'emmener loin d'ici et tout recommencer ailleurs. Je vais être papa. Pourquoi faut-il que ton mari et tes 2 enfants soient un obstacle à notre bonheur? Réfléchis encore, délicieuse Madeleine. Je ne vois plus.
sa Madeleine et il était son Proust. Ouais, ben n'importe quoi. Bon, allez, moi j'en reviens les moutons. Voilà donc notre délicieuse Madeleine enceinte. Ce qui lui permet de réaccaparer l'attention du... déserteur. Merci. Et maman était certaine que M. Michelot était mon père biologique. Certaine. Et papa n'a pas trouvé bizarre d'avoir engendré un nouveau bébé. Mais ben pourquoi bizarre? Il faisait chambre commune. Et devait avoir de loin en loin des relations très très près, si vous voyez ce que je veux dire. Sacré papa quand même, hein. Mais alors papa, elle était mon véritable père. Ah non, ça ta mère en était sûre. Puis d'ailleurs, tu es prématuré d'un mois et demi, et la cocotte. Et toi évidemment, t'as gobé tout ça. Elle aurait pu avoir l'honnêteté de tout te dire. Ben c'est ça. C'est ça qui aurait été évident aussi, c'est ça. Et cela aurait été malheureux, hein. À commencer par Monsieur Lucas, qu'on aurait pris un grand coup de son petit orgueil de mal occupé. Toi, qu'il aurait détesté, te sachant la vie de son rival. Alors il t'a tout de suite adoré. À votre mère, à qui il n'aurait sans doute pas pardonné. Yves et Lisa, qui se seraient retrouvés séparés l'un de l'autre, ou séparés de l'un de leurs parents. Si tout ça s'était terminé par un divorce, tu ne trouves pas que c'est une honnêteté bien cher payée? Oh, vous avez raison, Allée. Maman a très bien fait de ne rien dire. Oh, et puis, honnête, elle l'a été malgré tout. Parce qu'à partir de ce jour, elle a arrêté de voir Michelot. Ce qui, soit dit entre nous, a bien arrangé ce Lucien Raoul, qui derrière ses belles écrivures, n'était pas très chaud pour s'en compter d'un mouflet. Oh, je le sais. Parce que c'est à moi qui a été donné cette délicate mission de donner son congé au Bossanova. Quand je lui ai fait la commission, j'ai bien vu qu'il était soulagé plutôt que désespéré de Coco. Bon, à votre mère, j'ai dit qu'il était au désespoir. Bah oui, ça mangeait pas de pain. Bah. Dites donc, là, vous en faites tous des tests en tant que venez, là. Mais c'était pas merveilleux! Merveilleux, ton album. J'apprends que mon père n'est pas mon père et je devrais trouver ça merveilleux. Ah bah oui, surtout toi, mon bébé. Ah oui, moi surtout. Mais enfin, Mireille, tu vas pouvoir te l'épouser, ton but, puisque vous n'êtes plus frère et sœur. Hein? Mais c'est vrai, ça. Avec toutes ces émotions, je n'y avais même pas pensé. Ah mais évidemment. Luc n'est plus mon frère. Ah. Papa Grillon, Luc. Maman Michelot. Luc n'est plus mon frère. Luc n'est plus mon frère. Luc. Eh ben, je ne pensais pas qu'autant d'événements pouvaient se produire une seule journée. Ah bah ça, pour une journée mouvementée, ça c'est une journée mouvementée. Ouais. Mais dites donc, Anaïk, vous en avez encore beaucoup sous le coup des révélations comme ça, ou l'avez fait close? Mettre sous la tortue, je n'ai rien ajouté, moi. J'ai dit tout ce que je savais, et puis, ben content de me débarrasser de tout ça. Bon, eh ben je crois qu'on n'a plus grand-chose à faire. Ouais, mais j'entends du bruit, là. Il faut que j'aille la clé, hein. Je vais commencer avec la clé, moi. Ouais, je vais la clé, mais franchement, je crois qu'on fait votre temps. Attention, attention. Chaud devant. Place à Anaïk Pendu de la Sapinière. C'est vrai ce que Lucille raconte? Elle n'est pas la fille de Lucas. Ta mère aurait fauté avec un donjon de passage? Bon sang, mais alors quelle famille? Non mais ça va bien, hein. Maman avait des circonstances exactement. Exactement. Ah bon? Je t'expliquerai plus tard. J'y compte bien. Si papa n'avait pas commencé, rien de tout ça ne serait arrivé. Bah tiens. Parfaitement. En tout cas, les deux tourterons en bas sont aux ordres. Enfin, Lucille est quand même bouleversée de ne pas être la fille biologique de Lucas. Oh, on le saurait à moi, elle a toujours été la petite préférée de papa. Sa princesse, tu disais. Et le lui rendait, hein. Il était pourtant guère aimable, hein. Barré. Avec moi, il était odieux plus souvent qu'à son tour. C'est pas vrai, mon papa? Yves, est-ce que tu veux prendre le portrait de papa? Pas ma foi. Même pas d'enquête, n'en est pas question, je n'en veux pas à la maison. Oh, Marie, attention, j'ai cru avoir poussé de sourire encore. Ah, celui-là, celui-là. Pas de ton père chez nous non plus, hein. Même en photo. Au fait, tant que je vous tiens tous les deux, 1 plus 1 plus 1 demi plus 1 demi, ça fait combien? 3
trompé, ma mère m'avait toujours dit qu'il était décédé avant ma naissance. Je gagne un frère, une sœur, je perds mon amour et je le retrouve. Tout ça dans la même journée. Il y a de quoi devenir zinzin. Oh, mais vous êtes parfaitement équilibré. Aucune raison de devenir zinzin. Et puis, en cas de problème, on peut faire confiance à Naïs. Pique à la de la famille. Quelle est super pour maman. Elle fera bien pour nous, non? Mais, bon. Ça vous ennuie si je prends le portrait de papa? Oh, absolument pas. Au contraire, s'il pouvait s'exprimer, je suis sûre qu'il choisirait d'enlever l'un des murs de ton appartement. Qui sait, papa? Mon père, c'est toi. Et toi seul. Toi qui m'as aimé, chérie. Toi que j'ai aimé et admiré. Je ne veux pas d'autre père que toi. Je ne chercherai pas à rencontrer ce beau salopin de Lucien Raoult Michelou. Je t'en fais le serment. Très bien, ma petite Luciole. Je suis fier de toi. Bon. Ma petite Elisa, nous n'avons plus grand-chose à faire dans ce grenier si nous laissions nos deux amoureux en tête à tête. Tu as raison. Attends, je vais descendre la boîte de photos. On va commencer à faire le tri. Ah oui, allez. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous avez passé presque toute la journée à fouiller dans ce grenier? Ça, c'est une idée de papa. Figure-toi qu'avant de mourir, il a laissé un papier à Naïk sur lequel était inscrit « In the attic, au désert ». Tout est dans le grenier. Et pourquoi en anglais? Pour éviter la curiosité naturelle de Naïk, je suppose. Ah. Et vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Rien de spécial, à part de vieux souvenirs. C'est toujours ça. Hé, tiens, je viens de tomber sur quelque chose. Oh, oui. Reste muet, je vais te faire une surprise. D'accord, ça va. Dis-moi, cette maison, quoi? Rendez-vous devant le portrait de papa. J'arrive, maman. Bonjour. Wow. C'est alors? Quelle coïncidence! Vous savez que vous êtes merveilleuse, Lucile Ballantré. Tellement merveilleuse que je vous veux à mes côtés chaque jour de ma vie. Faut voir. Attends. Monsieur Lucas Ballantré, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille Lucille pour votre fils Luc. Et d'accord. J'ai rien entendu, mais je suppose que désormais, il ne s'opposerait pas à notre bonheur. Il nous aimait très fort tous les deux, et nous voir réunis ne peut que lui réjouir le cœur. Alors, ta réponse? J'hésite. Et comme ça. C'est déjà plus convaincant. Et maintenant? C'est oui, oui, 100 fois oui. Tu vois, papa nous en fait déjà un malaise. Ah, mais ça alors? Pour une surprise, il y a une enveloppe photo? Ah oui, mais on va regarder ce qu'il y a dedans. Des bons portails? Mais il y en a pour une petite fortune? J'en ai sûr? Ah bah si! Ah ouais! Ça pour une surprise! Voilà donc l'explication! In the attic, all is there! Eh oui! Astucieux de s'être mis lui-même gardien de son trésor! Tu sais ce que je pense? Il a dû se dire que celui qu'il aimerait le plus garderait cette photo et profiterait ainsi de belle. Avec ça, on va pouvoir garder la maison! Bien sûr, puisque je t'épouse! Nous n'avons plus que la partie vue d'Elisa rachetée. On leur dit qu'on a trouvé ça? C'est toi qui décides, ma Luciole. Si on ne leur dit rien, je veux pas qu'ils soient lésés. On rachètera leur part très largement. On fera plein de travaux dans cette maison pour la rendre plus agréable possible. Et on les invitera à venir y nicher chaque fois qu'ils le désireront. Très bien. Ça restera donc le berceau de la famille. Je crois que c'est ce qu'aurait voulu notre père. Mais on a tout le temps de réfléchir à tout ça. Oh, et les enfants? Faudrait penser à descendre.
Ça s'imposait. Elle ne changera jamais, notre naïve. Et c'est tant mieux. Allez, viens, on va alors annoncer notre mariage et les projets pour la maison. Dans cette tenue? Tu en vois une de plus appropriée? Ou enfin, tu es sûr? Ce dont je suis sûr, c'est que nous allons vivre en perpétuelle sans lumière. Sans lumière? Bah oui, un grillon pour le son, une luciole pour la lumière. Si ça fait pas un son et lumière, je viens être vaincu. On demande! Simone Veil.
à très bientôt.